be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut à tous, voilà les amis, il l'a fait. Ça y est, Benzema l'a fait. Deux buts pour lui tout seul. Deux buts les amis. Franchement là, il n'y a rien à dire, ça c'était le match, le plus gros match. Là, il fallait même pas dormir dans ce match. On ne dort pas dans ce match. Non, c'est trop. Il a fait Benzema, voilà, on attendait, c'est comme ils sont en train de dire les journalistes, comme ils sont en train de dire, on a ouvert le robinet d'eau, ça y est, ça coule, parce que là en fait ça coulait pas, donc on a ouvert le robinet français, et puis voilà, Benzema est sorti du robinet, ça y est, il a fait deux buts pour lui tout seul, mais comme il y a un bonheur n'arrive pas de loin, son ami aussi a montré présent, c'est-à-dire son meilleur pote a montré présent, évidemment, Cristiano Ronaldo. Bon, on peut rien dire. Mais on va dire quand même que c'était un match exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, on va dire Benzema, il était dans des étoiles. Mais par contre, Mbappé, on ne le voit pas. Hein. Ils l'ont stoppé, ils ont pris les scooters, ils ont dit bon, il est passé par droite, il est passé par. Il est allé de l'autre côté, bloquez-le de ce côté. Bloquez de l'autre côté, et il est allé de l'autre côté. Ils ont bloqué Mbappé de tous les sens. Il a fait le tour de l'autre côté, il est pas passé, ça, il peut pas marquer là-bas. Il a fait l'autre tour de l'autre côté, ils l'ont bloqué de partout. Il est où Mbappé? Ils ont pris tous les scooters, les joueurs du Portugal, tous des scooters, même des trottinettes. Ils l'ont tous bloqué. Ils ont dit il est où Mbappé, il est où? Alors, il est passé de l'autre côté, prendre des trottinettes, des scooters, même les camions, ils sont allés, ils l'ont bloqué Mbappé. Et du coup, ils ont bloqué Mbappé, ils ont bloqué même Griezmann. Tellement il avait bu du maté, il fonçait un peu de partout, vous voulez se faufiler un peu de partout, Griezmann, mais ça passait par, ils ont pris tout, ils ont pris carrément un camion pour un barrage pour bloquer Griezmann. Et donc, tout le monde qui était bloqué, la seule personne qui est passée, c'est Benzema, voilà, le sauveur, voilà, il est revenu, comme au Real, comme vous avez vu son but, c'est comme il est, là c'est comme s'il était joué au Real, il jouait pas en équipe de France, le but c'est le même but, si vous regardez bien tous ses buts, au Real Madrid il a mis le même but, 50 000 fois il a mis ce but, exactement le but, là où comme vous voyez, il tire, et ça fait poteau rentrant, ça c'est les buts, ça je reconnais bien ces buts, c'est les buts qu'il met au Real Madrid, c'est parfait. Voilà, enfin, voilà. Ça, c'est pas un joueur, c'est pas un cave. C'est pas quelqu'un qu'on dit, hein, c'est un nul. Non, Benzema, c'est pas quelqu'un de nul. Moi, je dis même pas nul, je dis c'est pas un cave. Un cave, quelqu'un qui sait rien faire. Non, c'est pas un cave, Benzema. Et tu vous voyez, il joue, il réfléchit, il se concentre, il essaie de jouer et tout. Mais c'est comme le robinet, hein, tout simplement. Le robinet, il est ouvert, ça y est. Il va même plus s'arrêter de couler. Là. Pensez pas qu'il va finir le championnat d'Europe à avoir mis que deux buts. Même ces deux buts, ça le contente pas. Hein. Il a dit qu'il va faire la fête puisqu'il a marqué deux buts. Mais s'il peut, même il allait marquer le troisième but. Mais franchement, c'était un match exceptionnel puisque la France a répondu au Portugal. Le Portugal, il pensait qu'ils allaient s'en sortir avec le pénalty. Bon, après, le pénalty, oui, il y est puisque Lloris, bon, il va pour mettre le coup de poing sur la balle pour la dégager. Et il y a Danilo qui met sa tête. Exprès pour qu'il met un coup de poing dans la tête, puisqu'il tape sur le ballon et en même temps il y a la tête de Danilo et boum, le gars il tombe par terre, il est dans le coma presque, il est sonné. Mais bon, après c'est dans le jeu, ça c'est pas voulu, c'est dans le jeu. Mais s'il n'y avait pas ce pénalty là pour le Portugal, ces pénalty là, le Portugal aurait perdu. Mais ils étaient au rendez-vous, il faut dire vraiment que le Portugal, ils étaient au rendez-vous. Mais franchement, enfin Benzema, oh là là, le Real Madrid. Un des meilleurs joueurs, non mais là il n'y a rien à dire, ils ont fait leur match à la France. Pourtant ils ont commencé tout doux, on pensait qu'il n'allait rien se passer, que le Portugal allait s'en sortir, mais non. Ils ont fait leur compte avec tous les joueurs de qualité qu'il y a en France quand même, la France quand même, parce que moi je discute, la France, tous les joueurs de qualité, Griezmann, Mbappé, Eklis, Coman, non mais il y a trop de joueurs, il y a trop de joueurs. Comment voulez-vous que,
que la France aille dans cette roue pour faire rien. C'était obligé que là, il allait se passer quelque chose. Et sans pour vous dire, moi, j'étais en train de l'insulter, la Benzema. Je dis, comment ça, la mi-temps, tu marques pas et tout. Je parlais tout seul. Je dis, comment ça, tu marques pas au Real Madrid, tu mets des buts pour te reprendre, tout ça. Et ben voilà. Voilà, je n'ai même plus parlé tellement, je suis dépassé par les événements. En un seul match, il a mis 2 buts, il peut même mettre 3-4 buts. Il peut même le faire, hein. Non mais il peut le faire. Si au Real Madrid il le fait, eh ben là il suffisait juste de être confiant. Là il a marqué son premier but, ça l'a mis confiant, il est allé même mettre le deuxième but, comme le Real Madrid. Il part tout seul et il n'est pas hors jeu, hein. Vous n'allez pas me dire qu'il est hors jeu. Il n'est pas hors jeu, il part tout seul. Les autres ils sont en train de se dire hors jeu ou pas. Lui il marque, c'est tout, il n'y a pas à discuter, c'est ça le foot que jouer. Puis voilà, Benzema a marqué 2 buts, franchement. Ça c'est une bonne soirée, c'est la meilleure des vidéos les amis. C'est la meilleure, là, un Lyonnais en plus, hein. C'est un Lyonnais, Benzema quand même. À Bron, c'est la fête à Bron. Je ne vous dis pas comment ça va être la fête à Bron. Mais ah, voilà, oh là, j'attendais ce but, oh là là. J'attendais trop ce but là. Et Mbappé il passe pas, Griezmann il passe pas, Coman il passe pas. Ben Benzema tu vas profiter pour te faufiler et y aller. Il l'a fait, il l'a fait. Ah ben voilà, voilà. Maintenant on peut que dire que la France va jouer son match contre... C'est comment? Contre qui là? Et là ben, moi justement, mettez un like à la vidéo. Et demain à l'air Carrefour, hein, vous, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Vous allez à Carrefour, hein. Si vous avez bien un Carrefour là où vous êtes, ou un Market, je ne sais pas où, vous prenez quoi? Des petits Suisses et vous les mangez en pensant au match France-Suisse, parce que là on va manger des petits Suisses. Bon, c'est la période de manger des petits Suisses jusqu'au match de la France contre la Suisse, parce que là en ce moment je pense que la Suisse, vous n'allez pas me dire que la Suisse, là si, si la Suisse ils battent la France, ils éliminent la France, je pense qu'il y a des fenêtres, bon oui, j'ai un balcon là, juste là. Juste là, j'ai un balcon, je veux sauter. Je saute. Si la France bat la Suisse, c'est sûr que je saute. Moi, c'est pas la peine de discuter. Hein. Il n'y aura plus de vidéo. Moi, je serai mort, je serai décédé. Parce que là, c'est impossible que la France. Là où ils sont commencé à partir, là où Benzema commence à se réveiller, là. Non, là. Et Mbappé, il va, à un moment donné, il va passer. Vous allez me dire que les Suisses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un barrage derrière. Ils vont faire que des contres. Parce que là, c'est supérieur par rapport à eux. C'est une grosse équipe qui joue contre eux, donc je vois pas les Suisses. Bon, tout ce que j'ai à vous dire, commencez à préparer les petites pièces ou les billets, quoi. Allez acheter les Suisses. Moi, je vais acheter les Suisses. Hein. La prochaine vidéo du prochain match de l'équipe de France. Comme, moi, je vous dis pas le score, parce que moi, c'est quand même un peu médium Suisse que là. Bah, après, vous, si vous connaissez le foot, vous savez très bien, vous n'êtes pas si bête que ça. Vous êtes, quand même, soyez un peu raisonnable. Vous voyez le niveau de la Suisse. Et vous voyez le niveau de la France. Donc il faut quand même qu'on arrête de discuter. Il faut que quand même vous êtes bien conscient que la Suisse c'est pas le Brésil, c'est pas l'Argentine. C'est une équipe, oui, c'est une équipe la Suisse. Mais bon, et il faut quand même dire qu'il faut aller manger des Suisses. Ou manger des petits Suisses. D'ailleurs on va manger des petits Suisses au prochain match de l'équipe de France. Vous allez voir, au nombre de buts, au nombre de buts. S'il y a 2 buts, s'il y a 3 buts, s'il y a 4 buts. On mange, bon, je veux dire, bon, je suis gentil, je vais manger 3 petits Suisses pour la prochaine vidéo de l'équipe de France. Parce que là, on va commencer à manger des petits Suisses. Parce que la Suisse pense que, bon, voilà, j'ai pas à vous dire trop. Voilà, moi, je suis content, on va dormir, on va savourer ça, on va faire la fête. La France est qualifiée avec des matchs nuls, oui, certes, mais bon, le match, ils avaient quand même un gros gardien, le Portugal, un gros gardien. Il a fait, vous avez vu la frappe de Paul Pogba, c'est le seul joueur qu'il y avait. Griezmann, il passait pas. Bappé, alors laisse tomber, il passait pas, il faisait que de tomber par terre, et je pense qu'il a bien essuyé la pelouse. Tout se passait pas, alors Griezmann, s'il passe pas, si Bappé passe pas, même Paul Pogba allait mettre un but sur la lucarne, ça a failli y rentrer, c'est le seul presque qu'on a vu. Mais si ça passe pas, évidemment que si tout s'y passe pas, vous savez que le Real Madrid est toujours à la disposition de l'équipe de France. Benzema, oui, avec ses 2 buts, donc voilà. On va savourer cette victoire. Ouf, c'était dur, non, mais c'était dur, hein. Moi, je rigole, c'était très, très dur. Ouf, bon, on va aller fêter ça, là. Moi, je vais aller fêter ça, là, tranquillement. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, parce que là, moi, je parle trop, là. Bon.